1er février 2019, mesdames et messieurs, bonjour, merci à vous tous, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Kelin Congo Télévision et aussi auditeurs de la Radio Liberté, la 96.8 MHz. C'est pour moi un grand plaisir, le réel d'ailleurs, parce que vous êtes très nombreux à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, nombreux également, vous qui nous suivez en ce moment même. Sur le bouquet Orao, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe. Merci de la fidélité, surtout de la confiance que vous ne cessez d'accorder à votre magazine Kiosque, qui ne cesse de vous servir à chaque moment et à chaque temps, malgré les conjonctures du pays et les moments très forts et aussi tumultueux de notre pays, de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau et aussi dans ces studios de Radio Liberté Kinshasa, deux invités, ils seront trois, mais d'abord nous avons ici dans ce plateau deux invités, il s'agit de Claude Molichaud. Claude, bonjour. Bonjour Michel Kouyapa. Et Merveux. Merci, je voulais réciproque, ça fait longtemps que je ne suis plus passé sur Kiosque, les gens se posaient des questions. Beaucoup de questions d'ailleurs, Claude est parti. J'attendais l'invitation. Claude, l'homme de coup sur coup. Tout à l'homme fait. Emmanuel Ramazan Chadari. De Moutapas. Et nous sommes là et oui. L'invitation était lancée, on a répondu, nous sommes là pour débattre des questions d'intérêt. Donc on général. Dit peut-être il a fui parce que Emmanuel Chadari n'a pas non, je peux pas faire le débat. C'est la démocratie et on était aux élections, c'était une compétition, les gagnants. Mais de manière c'était un choc pour vous aussi hein, le choc c'était quand même prévisible ou c'était une surprise pour vous? Non, on s'attendait à la victoire d'Emmanuel Ramazan Chadari. On était sûr de la victoire parce que nous savons que parmi les 21 candidats à la présidentielle, il était mieux positionné, mieux placé, et mieux outillé encore pour vraiment gagner ces élections. Mais qu'est-ce qu'il y a eu finalement? Bon, il y a eu beaucoup de choses là-dedans. J'avais toujours dénoncé l'infiltration du FCC par certaines personnes qui se disent être kabylistes alors qu'ils ne le sont pas. Et sur le terrain, on a vu, on a des preuves. Il y a des gens qui ont battu campagne, qui sont des FCC, mais qui ont battu campagne pour l'opposition. Ils sont nombreux. On en parlera tout à l'heure. Oui. Sylvain Malanda, bonjour. Bonjour Michel, merci. Cher confrère de Kelin Congo Télévision. Tout à fait, journaliste comme toi. Aujourd'hui, je porte une casquette des penseurs, oui. Penseurs éclectiques. Parce que j'estime que pour l'instant, nous avons besoin de batailler sur le changement du système. Raison pour laquelle nous qui avons peut-être l'inspiration, je le dis, de pouvoir changer les choses. Nous avons prôné aujourd'hui la pensée africaine, la pensée perçue par des journalistes, la pensée perçue par l'Africain qui veut les changements tous azimuts au Congo, tout comme en Afrique. Merci Sylvain qui s'est dit, bon, nous sommes journalistes et aussi nous sommes des historiens du présent. Ça, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons parler de 3-4 sujets que nous allons aborder aujourd'hui. On parlera bien sûr de ces meetings, ces grands meetings de vérité projetés pour ce 2 février, demain samedi, à la place Sainte-Thérèse Angeli par la coalition politique La Moka. Ce sera l'heure de vérité pour eux. Ça, c'est comme les différents leaders le disent. On va un peu décortiquer, mais aussi les remous au sein de cette coalition. Il y a des voix discordantes qu'on attend ici et là et ça ne donne pas, ça n'augure pas une bonne chose par rapport à la vision de cette coalition politique. Qu'est-ce qui se passe finalement à travers cette coalition? Pourquoi des voix discordantes, notamment par rapport à d'autres leaders qui se disent également membres de cette plateforme et qui, en tout cas, donnent d'autres aspects qui ne concordent pas avec la vision commune de la coalition La Moka? On parlera aussi de du décès de Félix Tshisekedi, ou plutôt de Étienne Tshisekedi, excusez-moi. Étienne Tshisekedi, nous sommes aujourd'hui le 1er février, vous savez que c'est 2 ans déjà qu'il nous a quittés, que restait-il de son héritage politique? Est-ce que Étienne Tshisekedi qui a combattu le régime, qui a prôné la démocratie, qui a donné de sa vie plus de 30 ans de lutte politique pour la démocratie de notre pays, est-ce que cet héritage est encore vivant? À travers ses héritiers politiques. Là, nous pensons particulièrement à Valéry Mobaké qui sont encore là. Et aussi, nous parlerons de cette grogne dans les différentes entreprises publiques. Est-ce qu'il y avait des cadavres dans le placard finalement qui sont découverts? On en parlera tout à l'heure.
et aussi de cet héritage aussi que nous lègue Bruno Tshibala, Premier ministre, à travers les différents avantages qui se sont tapés à travers lui-même, les membres du gouvernement, et à vie vont bénéficier de 5 000 $, de 2 000 $, on en parlera, à travers l'arrêté qu'il avait, ministériel qu'il avait en tout cas signé à ces niveaux-là. Et pour en parler, je disais, on va d'abord prendre très rapidement les titres de journaux. Forum des As, le meeting de la Mouka étant confirmé pour ce samedi. Le message de Bemba et de Katumbi très attendu pour la coalition électorale de soutien à Martin Fayoulou. Il sera question d'expliquer les tenants et les aboutissants de la vérité des urnes. Congo Nouveau, MHC, dans un communiqué de presse, Jean-Pierre Bemba renouvelle son soutien à Martin Fayoulou. Et puis un autre titre de la prospérité de notre consoeur, Eba Zeiba. Le MHC accompagnera toujours et encore l'action de la Mouka en prélude du meeting de ce samedi 2 février. Et aussi l'AS Hebdo, on parle de l'acquisition de 2 bateaux pour la surveillance de lac Albert-Édouard. La relance, enfin l'artenance est là, un symbole lourd de sens pour la réussite. La manchette, avant de quitter le pouvoir, Kabila a élevé 26 personnalités au rang d'ambassadeurs. Course au gouvernorat de province, Mende Wemba Batumona déjà candidat. Le vrai modérateur, positionnement face à Félix, le double jeu de Katumbi. Église aujourd'hui, comment s'infiltre le culte de la personnalité. Lutte contre la fraude et la corruption. Félix Tshisekedi ferme le robinet du coulage de recettes publiques. Inhabilité de sortie du gouvernement, Tshibala piège Fatshi. Le nouveau leader de Yakoma, des Décodoro, ça c'est les titres de notre confrère Le Journal. D'abord, c'est anniversaire, c'est douloureux anniversaire pour notre pays également. Le 1er février, vous le savez qu'on a perdu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'était le 1er février 2017, exactement 2 ans aujourd'hui, nous sommes en 2019. La question qu'on se pose, Claude Bolichot, qu'est-ce qu'on peut garder de l'héritage politique de Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Oui, Michel Koyapa, vous savez que Tshisekedi wa Mulumba, vraiment, c'est toute une école. Une école et à travers laquelle les gens, beaucoup d'acteurs politiques sont passés par là, même ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui étaient dans l'ancienne majorité. Je peux citer Emmanuel Ramazan Shadary. Oui, il est passé de lui, bien sûr. Et F. Bazaïba, ils sont nombreux et qui sont dans l'autre camp, qui ne sont plus dans l'UDPS. Et même s'il y a eu fracture de l'UDPS, El Tshibala, Moubaké, ainsi de suite. Mais la personne d'un Tshisekedi qui incarne toute une école. Et nous, quand on était étudiants, à l'époque, avec la marche de l'AFDL, l'AFDL avançait, les villes tombaient une à une, on était dans la dynamique UDPS. Et vous avez vu, vous-même, vous avez remarqué à cette époque-là, partout où l'AFDL passait, on organisait les élections populaires et ce sont les leaders de l'UDPS qui passaient comme gouverneur, comme maire des villes et ainsi de suite. Donc, Etienne Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il faut vraiment que l'héritage d'Etienne Tshisekedi soit capitalisé. Et, dommage, parce que ceux qui sont passés par l'école d'Etienne Tshisekedi ne suit pas l'exemple d'Etienne Tshisekedi. On a vu certaines lutte contre les antivaleurs, voilà, les droits, la démocratie. Les mots d'ordre d'Etienne Tshisekedi, c'est l'état pas des le droits. Pouvoir pour le pouvoir aussi. Voilà, l'état voilà. des droits. Mais on a constaté que ceux qui sont aujourd'hui dans l'IDPS, Félix Tshisekedi, et même ceux qui sont en dehors de l'IDPS Tshisekedi, n'ont pas vraiment intériorisé les valeurs véhiculées par l'école de Donc, pas de d'Etienne Tshisekedi à Mulumba. L'état des droits et les valeurs qui doivent incarner dans notre pays les acteurs politiques. Non. Et nous disons que... Mais encore, moi, son fils aussi ne l'incarne pas. Bon, son fils, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Vous savez que Félix Antoine Tshisekedi est élu président de la République démocratiquement, mais on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Mais je vous donne l'exemple de ceux qui sont tout autour de lui. Et certaines personnes comme Vital Kamerhe, il était aussi dans l'école de l'UDPS. On l'a vu à l'œuvre comme président de l'Assemblée nationale, comme ministre de l'Information, comme chargé des liaisons avec la MONUSCO à l'époque. Et donc, ceux qui sont avec lui, d'autres ont été nommés ministres à l'époque par Mouzé, d'autres par Joseph Kabila, Kabangé, d'autres sont allés au Parlement, au Sénat, ils sont nombreux. Mais ils n'ont pas incarné la valeur de cet homme-là, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et aujourd'hui, son fils, qui incarne l'héritage de ces grands hommes politiques, est aux commandes de ces grands pays. Nous estimons tout le monde. Vous voyez un peu ce qui se passe dans les entreprises publiques, toutes ces grèves-là, les mouvements de grève.
C'est pour dire que les gens attendent quelque chose de nouveau dans la gestion politique de Félix Tshisekedi, qui incarne aussi aujourd'hui la vision. Mais nous disons avec Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant qu'il ne puisse vraiment poser des actions concrètes dans la gestion de ces grands pays, il faudrait qu'on puisse rapatrier les corps de ces grands hommes. Nous sommes africains, on ne peut pas commencer à travailler, prendre beaucoup de temps sans pour autant rapatrier les corps de son père. Et vous voyez comment sa mère est encore là-bas et elle ne bouge pas parce que, c'est la coutume qui existe, c'est qu'il soit dans cet état pour que avant qu'il puisse s'élever. Donc c'est très important, 2 ans après, et aujourd'hui il y a une bonne coïncidence, et Félix Antoine Tshisekedi est aux commandes du pays. Il faudrait que vraiment parmi les premières grandes décisions aussi, parce que nous ne voudrions pas qu'il puisse échouer. Même s'il y a des mouvements de grève, on va en parler dans cette émission. Mmh. Mais la première des grandes décisions, c'est de rapatrier d'abord le corps de son père et organiser des obsèques dignes, parce qu'il y a eu une incompréhension à l'époque où il n'était pas aux affaires. Aujourd'hui, les choses sont claires, donc il n'y a pas d'empêchement, il n'y a plus d'empêchement. Il a tous les moyens pour rapatrier le corps de son père et qu'on organise des funérailles dignes de ces grands hommes politiques qui a évangélisé, c'est le concept qui convient, la classe politique congolaise. Mais bon, je disais aussi en temps de démocratie. Oui. Mais le concept aussi important qu'il avait, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est pas, lui disait, je ne fais pas la politique pour le pouvoir, donc c'est cela. Mais aujourd'hui, on voit cette NUPES qu'il a léguée comme héritage politique ne semble pas être gardée comme telle. On a évoqué tout à l'heure les différentes ailes de l'UDPS. On en parle, Mobake qui s'est revendiqué les vrais héritiers politiques de Tshisekedi Tshisekedi Wamulumba. Vous avez Bruno Tshibala qui a aussi été à un moment donné... Belgica aussi qui revendiquait ces trois. Mais finalement, on ne comprend plus. Est-ce que vous avez l'impression qui incarne finalement? Est-ce que c'est Mobake qui le dit? Parce que généralement, quand même avec l'élection de Félix Tshisekedi, Mobake a critiqué pour dire que ce n'était pas une élection comme telle, mais c'était plutôt une façon pour eux d'aller à la mangeoire, comme on dit. Je ne penserai pas commencer par définir la personne qui incarne aujourd'hui le type d'âme Tshisekedi, parce que l'homme en soi qui n'est plus, il est aujourd'hui en Belgique, je dirais d'emblée personne âme. Et je pense que parler de la personne qui remplace Étienne Tshisekedi, c'est peut-être mal orienter ma pensée. Je parlerai plus de l'incarnation des valeurs. Donc je suis plus un peu dans ce cadre de réflexion pour dire je ne nomme personne comme Étienne Tshisekedi, mais j'étale aujourd'hui une pensée qui doit s'unir avec la lutte que Tshisekedi a menée. Et cette lutte-là, c'est la lutte que le peuple mène et continue à mener. Donc si aujourd'hui il faut parler de l'incarnation du combat d'Étienne Tshisekedi, je dis que c'est sur le combat du peuple. Raison pour laquelle, quand il a commencé sa campagne, il parlait du peuple d'abord. Donc je ne vois personne parmi tout cela qui s'étale aujourd'hui comme apôtre d'Étienne Tshisekedi, qui incarne aujourd'hui la valeur d'Étienne Tshisekedi. Je ne pense pas même parler de la constance politique, parce que nous avons vu, avec tout ce qu'il y a eu comme transhumance politique, je ne parlerai même pas de la vision en ce qui concerne la lutte politique, parmi tous ceux qui se précipitent de parler de... Étienne Tshisekedi, je ne vois même pas l'allure de la personne, parce que le charisme... Même la carrure, la carrure aussi. De la oui, personne. La carrure, je ne vois personne pour l'instant qui peut aujourd'hui extérioriser cette valeur. Donc, s'il faut parler d'Étienne Tshisekedi, je parle de la valeur. De la valeur d'une personne qui a commencé une lutte, de la valeur d'une personne qui a couché sur papier le manifeste d'un scellé, la personne qui a été parmi les premiers universitaires de la République, la personne qui a parlé de la démocratisation, la personne qui a été portée par le peuple au triomphe pour occuper un poste important à l'époque du Deuxième Régime. Donc, je ne vois pas aujourd'hui la personne qui l'incarne, sauf, je comprends, c'est une lutte qui a commencé quelque part, c'est une lutte qui a été à un certain moment léthargique, mais aujourd'hui, moi je pense que le peuple qui a été vanté par Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord, c'est le peuple qui incarne aujourd'hui Étienne Tshisekedi dans l'aspect lutte pour le changement. Alors vous en parlez, c'est comme si il y a l'héritage de Étienne Tshisekedi semble être enterré finalement. Je ne dirais pas enterré, parce que je dis qu'il y a des gens qui incarnent.
Et c'est le peuple qui incarne ce. Donc ce n'est plus d'individus. Ce n'est pas des individus. Donc, qui ne peuvent pas se revendiquer. Personne ne peut se revendiquer aujourd'hui être un Tshisekedi. Qui était un docteur en droit, le tout premier université, comme vous l'avez dit, une personne qui ne voulait pas de combine ou de manœuvre pour arriver au pouvoir. Il n'a jamais voulu aussi accepter, hein, à un moment donné. Parce qu'il avait tout l'avantage de pouvoir essayer aussi d'être la commande du pays. Mais il n'a pas voulu entrer dans un système où il va compromettre et son avenir politique et aussi les intérêts et les aspirations du peuple congolais. Et parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il y avait une complicité entre le maréchal Mobutu et Étienne Tshisekedi wa Mulumba à l'époque de la Deuxième République. Et, bon, c'était de la politique. On a vu, lorsque Mobutu est tombé malade, il est allé se faire soigner en France. Étienne Tshisekedi a pris son avion pour aller au chevet du maréchal Mobutu. Et tout le monde a salué ses gestes. Mais après, les choses sont revenues toujours dans le contexte de lutte pour le changement. Et on a vu également le 15 août 1992, lorsque Étienne Tshisekedi a été élu Premier ministre à la Conférence souveraine, il y a eu vraiment la joie totale à travers toute la République. Oui. Et après, on a constaté qu'Étienne Tshisekedi n'a pas voulu... semble-t-il, entre guillemets, n'a pas voulu gérer parce qu'il a essayé un peu de barrer quelques concepts de la Constitution, alors qu'il a été nommé sur base de cette même Constitution. Alors, les gens ont conclu, ont dit qu'il y avait une petite complicité parce que Étienne Tshisekedi ne voulait pas seulement arriver aux affaires et garder sa position d'opposant. Et lorsque Mouzé est arrivé, c'était presque la même chose. Bon, ça, c'est une analyse de certaines. Personne, mais moi je considère Étienne Tshisekedi comme un leader de ce pays parce que tous qui sont présents aujourd'hui sont passés à l'école de Étienne Tshisekedi. Dans la classe politique congolaise, ils sont passés par l'école politique. La plupart d'ailleurs. Serge Seka, bonjour, vous venez d'arriver. Bonjour, Serge. On parle d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, 2 ans depuis qu'il nous a quittés, c'est vrai, mais c'est quand même un grand homme, comme on l'a dit, d'un homme de carrure politique incontestable à ses niveaux. Mais on semble n'est pas aujourd'hui comprendre que cet héritage politique est pérennisé en tant que tel, au regard de cette dimension de cette personnalité en même temps. Vous me permettrez de commencer par rendre hommage à un de grands, parmi les grands, ceux qui ont fait la grandeur de ce pays. Il y a très peu de Congolais qui ont écrit des belles pages de ce pays. Ndaye Mutumbula, qui a tiré sa révérence dans le dénuement le plus total. Nous sommes en train de rendre hommage aux politiciens, je n'ai rien contre eux. Mais ce pays appartient et aux politiques, et aux culturels, et aux religieux. Il a été abandonné en Afrique du Sud. C'est-à-dire que le vieux est mort avec son record jamais atteint dans une finale de coupe. On prend toutes les coupes réunies, Coupe d'Afrique, bien entendu surtout. Ce record n'a jamais été atteint. C'est-à-dire, hier, je recevais maître... Alain Makengo qui suit un peu les anciens qui encadrent les anciens léopards, il a dit ces records là et ils sont pas plus de 5 à l'avoir atteint. Le tout dernier c'était Platini en coupe de UEFA en 84 je crois. Ronaldo c'était 8 buts dans 82 86 je sais pas. Le vrai Ronaldo, oui. Le brésilien. Donc on a perdu quelqu'un ici. Et le pays semble marcher comme si c'était normal. Ça, il aurait été italien, il aurait été espagnol, il aurait été ivoirien, ça serait un deuil national. Parce qu'il n'est pas musicien. On rend hommage à Étienne Tshisekedi. Je le respecte, mais j'ai dit, il n'y a pas que lui. Le Congo n'est pas que politique. Comprenez mon coup de gueule, mais je ne voudrais même pas en parler. Non, parce que raison. Là, je suis choqué de constater que quelqu'un qui a fait la fierté, la grandeur du Zaïre, de ce Congo... Les années 60, fin 60, début 70, c'était des années glorieuses pour ce pays. On a tout eu. Ceux qui ont marché sur la lune sont arrivés ici. Le combat du siècle, ici, les discours du maréchal aux Nations Unies, c'était pendant ces laps de temps où un Zaïre valait 2 dollars. Pourquoi on ne veut pas parler de la grandeur de ce pays? Nous tirer toujours vers le bas. Ceci étant, je m'en vais quand même dire quelque chose. Nous devons avoir l'art ou la culture d'honorer les dignes fils de ce pays. Je pense que le combat d'Étienne Tshisekedi, c'est un combat respectable, un combat louable. On peut toujours redire des choses. Le problème ici, on tombe souvent dans l'intolérance si on voudrait dire des choses qui ne vont pas dans
des choses qui ne vont pas dans le sens de tout le monde. Mais je dis, Étienne Tshisekedi avait des convictions. Étienne Tshisekedi a résisté contre un système qui était mis en place, bien qu'ayant participé à la mise en place de ce même système. Mais il a compris à un certain moment que ça ne valait pas la peine. Et il est mort logique par rapport à lui-même, quoi. Dans sa logique, c'est-à-dire la logique de dire toujours non, de refuser jusqu'à la fin, de refuser même le pouvoir. Mon ami venait de faire allusion à comment le monsieur avait raturé l'ordonnance, le nom Buffet, l'ordonnance le nommant lui-même. C'est-à-dire qu'il est logique, il a été logique par rapport à lui-même. C'est-à-dire que c'est un monsieur de conviction. C'est le genre de citoyen qu'on aimerait voir aujourd'hui. Des politiques qui ont des convictions. J'ai entendu, excusez-moi de les citer, le ministre Koko Nyangi s'est rébiffé juste après comment l'élection de Félix Tshisekedi. Dire tout le contraire de ce qu'il a dit dans le média. Mais je me dis, mon Dieu, à un certain moment, nous devons avoir l'élégance des fois de nous taire. On n'est pas toujours obligé de donner un point de vue. La constance. Dans les gens qui ne s'assument la pas. La constance, je crois, c'est la grande qualité. Je ne pose pas un jugement des valeurs par rapport au combat d'Étienne Tshisekedi, mais j'ai dit que c'est un monsieur qui a été constant, un monsieur qui a gardé sa position jusqu'au bout, et un monsieur qui n'a pas été rancunier parce qu'à un certain moment, les gens pensaient qu'avec le départ de Mobutu, tout était terminé. Il a été le seul à aller rendre visite à un frère malade. J'ai dit à un frère malade. Je pense que c'est à mettre à son actif et que ce sont des exemples à prendre. Très bien. Grand meeting de la MOCA, ce sera pour demain, samedi. L'hôtel des villes a pris acte et qu'aujourd'hui, ils devront, en tout cas les différents responsables de cette coalition, devront rencontrer le commissaire de la police, ville de Kinshasa, pour des modalités en termes des aspects sécuritaires à ces niveaux-là. Mais les grands problèmes ou la question fondamentale sur ces grands meetings, c'est que finalement, après l'élection du 30 décembre 2018 et après aussi la proclamation des résultats provisoires par la CENI, le recours a été introduit, contesté bien sûr, mais le recours a été introduit au niveau de la Cour suprême, Cour constitutionnelle du pays. L'arrêt en premier de nos ressorts a été rendu, confirmant le résultat proclamé par la CENI, qui justement donnait vainqueur Félix Tshisekedi. On a senti qu'au niveau de la MOCA ou au niveau de cette coalition, il n'y avait pas de voix, en fait, ou des voix discordantes qui se donnaient. Principalement d'autres cadres, par exemple, pour ne pas les citer, il y a Sisanga, il y a Jean-Bertrand Iwanga, il y a même Muyambo, par exemple, qui, eux, ont, d'une façon ou d'une autre, félicité Félix Tshisekedi. Alors que, au niveau de la MOCA, et Martin Fayulu, principalement, n'a pas reconnu cette victoire, et qui même, il s'est même autoproclamé président de la République, et ces meetings, certainement, ce sera l'heure de vérité, finalement. Oui, comme tu l'as dit, l'heure de vérité. Moi, je pense que aborder le sujet dans ce sens-là, citer le moment de personnalité, moi, je pense que ce n'est pas très éclectique par rapport à l'apothéose de ce que je suis en train de défendre actuellement en tant que penseur africain et penseur éclectique. J'aborde ce sujet dans le sens de l'éveil patriotique. Je l'aborde également dans le sens de la vérité. Pas seulement la vérité des urnes, mais la vérité dans la manière d'opérer en République démocratique du Congo. Je m'explique. Demain, nous aurons un meeting pro la MOCA. Et s'il faut voir les thématiques qu'ils ont mis dans le communiqué, on parle de l'éveil de conscience ainsi que de la vérité. On n'a pas parlé, je crois, de vérité des urnes. Moi, je trouve qu'il est temps aujourd'hui que le peuple congolais comprenne ce qui se passe dans le pays. Il est temps aujourd'hui que les intellectuels comprennent la mouvance aujourd'hui de la chose publique. Il ne faudra pas que le peuple continue à s'enliser dans une sorte de léthargie parce que nous avons brandi quelque chose de très important partant de la victoire d'Étienne Tshisekedi. Moi, personnellement, j'appuie la MOCA, j'appuie la démarche de la MOCA, mais j'estime que la MOCA ne comprend encore pas ce qu'il doit faire par rapport à ce qui lui revient. Qu'est-ce qu'il doit faire finalement? La MOCA veut dire, selon ce que j'ai dit, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Alors la MOCA ne doit pas continuer à faire ce qu'on appelle la tractation politique. La MOCA doit s'emparer maintenant de cette thématique éveil. Pas seulement éveil patriotique, éveil des consciences, mais l'éveil tout court. Pourquoi? Je m'explique. Moi je pense que le temps a sonné pour la RDC de pouvoir prendre le relais de l'émergence.
le temps a sonné pour l'Afrique de s'affirmer dans le monde. Et cela n'est pas que par le veille. Alors ce n'est pas un hasard aujourd'hui d'avoir une composante, une coalition qui porte ce nom-là, éveil. L'AMUKA semble être un peu banalisé parce que c'est en lingala, mais en français, nous comprenons la thématique, l'éveil. Moi, je crois que c'est le combat maintenant que l'éveil, c'est le combat de l'éveil aujourd'hui. Moi, je crois que notre frère Martin Fayoulou, qui a été, je disais, préjudicié par la CENI ou soit par le régime, doit scruter davantage au fait cette thématique d'éveil. Nous devons peut-être l'aider aussi dans ce sens-là, nous qui comprenons peut-être le cheminement de la géographie politique de l'Afrique. Parce que l'éveil ne signifie pas seulement un affront contre un régime, l'éveil ne signifie pas seulement tenir un meeting populiste, l'éveil ne signifie pas des tractations du genre réclamer un poste. Non, ces temps-là, moi je pense que c'est révolu, parce que personne, je ne vois aucune cour, je ne vois aucune juridiction lui redonner la victoire. Donc, il faut orienter maintenant le combat dans le sens de l'éveil. Prendre l'éveil dans son fond, comme dans sa forme. Produire des thématiques importantes qui puissent provoquer cet éveil de conscience et l'éveil patriotique que nous avons tous chéri à l'époque de nos frères qui ont ravi l'indépendance. Moi, je crois que cet éveil-là doit maintenant être, comme on dit, le ventre mou de l'opposition. L'éveil doit maintenant constituer le combat de gladiateurs. Provoquer l'éveil. L'éveil patriotique, l'éveil des consciences, afin que nous puissions redorer l'image de ce pays. Donc, j'estime que le meeting de demain, oui, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils ont encore cette orientation frontale d'affronter, parler en mal, oui, bien sûr, mais le peuple n'attend pas que ça. Parmi ce peuple-là, il y a également des ceux qui comprennent autrement les choses et qui peuvent soutenir également cette action. Donc, s'ils orientent ça dans le sens de développer des grandes thématiques, d'asseoir un leadership, d'asseoir un contrôle systémique, d'asseoir également une intelligence. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que la chose deviendra importante. Et la chose est, moi, je trouve que c'est important, mais il faut une certaine canalisation. Très bien. Claude Moulichou, en fait, l'histoire se répète. Hein. Un régime qui s'installe, il y a aussi des contestataires qui vont être là, peut-être en train de tout voir comment continuer. Parce que pour l'AMUKA, c'est qu'il faut que la population puisse défendre ou réclamer sa victoire qui a été volée. C'est ça les termes. Mais c'est voilà pourquoi la vérité doit continuer à s'y mettre. Il y aura toujours des contestations, même si c'était l'AMUKA qui aurait gagné les élections, il y aurait toujours des contestations d'une frange de la classe politique congolaise. Moi, j'ai dit aujourd'hui, si Martin Fayoulou veut faire la politique, en respectant bien sûr les lois de la République démocratique du Congo, il doit faire l'opposition. C'est clair, surtout qu'il a été élu député national, comme il vient en deuxième position après Félix-Antoine Tshisekedi, il peut devenir porte-parole de l'opposition parce que c'est légal. Il suffit seulement qu'il puisse jouer comme les députés nationaux au sein de l'Assemblée parce qu'il y aura élection également pour choisir les porte-parole de l'opposition. Et là, il aura vraiment une tribune libre. Il pourra s'exprimer et critiquer l'action. C'est la démocratie. Il faut toujours qu'il y ait une opposition. Même Félix, qui est là comme président de la République aujourd'hui, il était dans l'opposition. Et il a besoin aussi d'une opposition forte pour critiquer ses actions. Et ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, ils savent que non, aujourd'hui, si le nouveau chef de l'État dérapait, nous allons le critiquer et nous allons le dénoncer. C'est ça la démocratie. La démocratie doit respirer dans notre pays. Dire que non, on doit convoquer un meeting de vérité ou de vérité des yeux, non de conscience. Bon, donc expliquer un peu à la population ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'AMUKA a introduit son recours en contestation au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est démocratique. Nous, on a applaudi quand on a appris que non, ils ont introduit un recours en contestation des élections. C'était ça la démocratie, c'est prévu par la loi. Même si il y a eu des choses à redire sur le plan forme, parce qu'on apprend qu'il y avait des recours, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, je ne suis pas de la cour, mais c'est ce qu'on a appris, qu'il y avait des recours en contestation qui ont été introduits. Mais c'est un geste qui cadre avec la démocratie. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée avec ses arrêts. Il y a le pasteur Théodore Ngoy aussi à la fin en tant que juriste. C'est ça la démocratie. La démocratie doit respirer. Donc sur ce plan-là, non. Mais dire maintenant aujourd'hui que non, il s'attaque à la décision de la Cour, alors que la décision de la Cour est inattaquable. L'arrêt de la Cour est inattaquable sur le plan. C'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi.
Donc nous devons. Mais quand même, vous avez suivi la position dissidente de juge Wasenga qui lui, selon lui, dit clairement que bien que l'arrêt ou bien la requête de Martin Fayoulou devrait être jugée fondée, irrécevable fondée, bien que ce n'ait pas été dit. Non, oui, vous savez que dans la procédure juridique, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Si la forme au préalable, la forme n'est pas en tout cas bonne, vous risquez de perdre, même si vous avez raison. Moi j'ai vu ça au cours d'un procès à Calam, au tribunal des grandes instances de Calam. Quelqu'un qui n'a pas su monter son dossier en bonne et due forme, un avocat aussi. Mais sur le plan forme, il a tapé de côté, et puis pendant que son client avait raison, mais il a perdu le procès. Donc c'est ça, des petites choses comme ça peuvent vous nuire ou vous faire nuire parce que vous n'êtes pas bien comporté. Bon, moi j'estime que la démarche de la Mouka aujourd'hui, bon, si c'est un meeting pour conscientiser les gens, mais dire que non, il faut s'attaquer à la décision de la Cour, c'est pas bon. On a donc vu à la Cour, la Mouka aujourd'hui, les membres de la Mouka, les leaders de la Mouka, et la Mouka en soi, en tant que plateforme politique électorale, est en train de perdre sa substance. Avant même la proclamation de la présidentielle, on a vu Stélie Sessang et Claudel Oubaya. On partit compagne pour Félix. Oui, qui ont affiché publiquement leur position. Dire que non, nous ne sommes pas avec Moïse Katumbi, avec Jean-Pierre Bemba, ni Martin Fayoulou. Nous allons nous ranger du côté de Félix et nous allons battre campagne. On dit que c'était un besoin pour le besoin électoraliste, en fait. Bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme Jean-Bertrand Iwanga qui a bâti campagne pour la Mouka. Mais aujourd'hui, il est du côté de Stélie Sessang. Il a donné raison à Stélie Sessang et à Claudel Oubaya. Donc, c'est ça que moi je déplore. Notre ami Serge Steka a déploré l'attitude de Kokonyang. C'est normal. Il faut dénoncer des choses comme ça. Parce qu'un acteur politique doit s'assumer. Que ce soit vous êtes en bonne posture ou en mauvaise posture. Et vous gagnez, vous perdez, voilà. Vous devez assumer votre échec accepter. Nous saluons les gestes posés par Emmanuel Chadari. Il s'incline devant la vérité, devant les verdicts des urnes. Les urnes ont parlé le 30 décembre et puis c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a gagné les élections. Nous inclinons. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. On attend et on va les juger à l'œuvre et on verra 5 ans après ce qu'il va produire et le peuple va le juger 5 ans après. Nous sommes en train d'observer. L'opportunité de ces grands meetings, selon vous. Mais quand même, on n'a pas entendu parler. Hein, jusque-là, Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Martin Fayoulou lui-même, Freddy Matungulu, ce sont les 5 leaders qui patronnent la coalition La Mouka. C'est vrai qu'il y a des individualités qu'on a quand même eues ici, par exemple, mais ça n'entame pas les gros en termes de leaders qui n'ont pas donné des positions claires ou soit pour soutenir Félix ou pour continuer dans la lutte par rapport à la Mouka. Commençons d'abord par l'opportunité de ce meeting. Moi, je pense que la Mouka serait fondée de convoquer le meeting à tout moment, étant donné que la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à tout individu, un groupe d'individus, la liberté de s'exprimer. Même dans l'intitulé de notre pays, c'est République démocratique. Quelle prétention démocratique. On n'est pas nombreux à porter cet intitulé dans l'appellation même de la qualification même de la nation. Donc, Martin Fayoulou et la Mouka croient être aujourd'hui obligés de rendre compte de ce qui s'est passé parce qu'ils sont allés demander le suffrage de la population et que les résultats étaient là en leur défaveur. Je pense que c'est une démarche logique. Que d'aller vers cette population vers qui on allait demander son suffrage, dire que voilà, nous avons été là-bas et voilà ce qui nous est arrivé. Mais à un autre niveau, ce meeting, quelle serait son opportunité si aujourd'hui nous devons revenir en arrière? Je ne dis pas que les choses étaient bien. Se sont bien déroulées. Non, je ne le dis pas. Mais c'est l'occasion aussi pour la Mouka de nous montrer que ce sont des hommes d'État. Ce sont des hommes politiques et que l'intérêt peut-être du Congo passe devant les frustrations personnelles, passe devant les souffrances personnelles, parce que je m'imagine que ça devait être aussi des moments de grandes déceptions, des moments de grandes souffrances personnelles que de constater que voilà, c'est que nous, on a comme résultat et de l'autre côté, les services qui devaient organiser les élections ne nous donnent pas la même chose. Ça devait être des moments de frustration. Mais je me dis, pour l'amour du Congo, la Mouka devait être à mesure de faire un grand saut.
de faire ces sauts-là et de s'assumer, parce que avec tout ce que la Mouka Martin Fayulu a obtenu comme résultat, on n'a pas besoin d'une élection pour chercher le porte-parole de l'opposition. Naturellement, il incarne une opinion certaine de la République démocratique du Congo. C'est que Martin Fayulu peut dire aujourd'hui représente l'opinion des millions de Congolais. Donc ce sont des gens que nous devons respecter. Et la chose qu'on ne doit pas perdre de vue, surtout en politique, savoir respecter son adversaire. Rester élégant, rester modeste dans la victoire. Et j'ai noté cette attitude dans le chef de Félix Antoine Tshisekedi lors de son discours d'investiture, une certaine modestie. Cet appel-là à la collaboration. Cela ne voudrait pas dire que nous allons rentrer dans Tatabo, Mamabo. Non. Ce parti-là qui a passé toute sa vie dans l'opposition doit apprendre aujourd'hui ce que ça fait d'être critiqué par son vis-à-vis. Je ne sais pas si aujourd'hui l'IDPS, je ne sais pas si la coalition au pouvoir serait en mesure de supporter des attaques des journalistes, comme on sait le faire dans le média, y compris ici dans le kiosque, d'une certaine opinion politique qui va tirer sur vous, en vrai ou en faux. Est-ce que je crois que c'est la première preuve du feu de Félix Antoine Tshisekedi. Laissez Martin Fayulu s'exprimer, laissez la Mouka s'exprimer, encadrer cette manifestation, parce qu'eux-mêmes ont longtemps été victimes de ces systèmes. Moi, j'aimerais que ces meetings s'organisent. Moi, j'aimerais que ces meetings soient encadrés. Et je souhaiterais aussi que la Mouka nous tienne un discours qui tendra à travailler dans le sens de la cohésion nationale. Vous savez qu'en ce moment, on ne parle que politique, on ne parle pas de développement. À Kinshasa, aujourd'hui, il y a des coins où les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité, surtout du côté ouest. Pigeon, et l'eau n'arrive presque jamais. Il y a un projet censé créer une usine à l'ozone pour alimenter. Mais personne n'en parle, parce qu'aujourd'hui, toutes les intelligences, toutes les énergies sont dirigées vers les élections, vers la politique. Il y a eu des émeutes à Lubumbashi. Les étudiants sont morts, des policiers tués par les étudiants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de courant et de l'eau au site universitaire depuis plusieurs jours. C'est-à-dire qu'on oublie que le pays doit exister, le pays doit se développer, les gens doivent vivre. Je lance cet appel aux politiques, que ce soit de la majorité de l'opposition, que le Congolais existe au-delà des frustrations, au-delà de ce que nous sommes, nous pouvons penser être en droit de réclamer, qu'on nous laisse vivre aussi, qu'on nous laisse vivre cette majorité silencieuse qui n'attend que avoir les riz, la viande atterrir dans son assiette, comme l'a dit le premier ministre Ngunz à l'époque. Parce qu'à un certain moment, disons-le, il y a eu une certaine opposition qui a fait le tour du monde ici pour dire n'aidez pas les haïs, parce que là il se passe rien. Conséquence, on a coupé la relation technique et autres. La faculté de polytechnique à Lidukine a fait 3-4 ans sans terminer une année, parce qu'il n'y avait pas le coopérant qui était là comme professeur, était parti. Donc en ce moment, nous devons tous savoir tirer les leçons du passé. On n'est pas en train de charger les consciences de certains ici. On dit tout simplement qu'on tire les leçons du passé, qu'ensemble, qu'on accompagne les Congos. Qu'on n'accompagne pas Tshisekedi, qu'on n'accompagne pas Kabila, mais qu'on accompagne les Congos. Le Congo et son peuple. Voilà. Mais en même temps, ces derniers temps, on parle de ces différentes grognes dans les entreprises publiques. On ne comprend plus. On a parlé de Transco, on parle de l'ONATRA. Il y a eu la Sona Hydro, donc Société Nationale des Hydrocarbures. Pratiquement, apparemment, il y avait de cadavres dans le placard, finalement. Mais c'est tout à fait normal, puisque nous sortons d'une mégestion criante, nous sortons d'une mégestion qui ne sait même pas dire son nom. Il est tout à fait normal qu'à l'approche d'une éminence grise, que les gens puissent s'écraser dedans. Donc je suis tout à fait d'accord que cela se passe, et je souhaiterais même que ça prenne encore de l'allure pour qu'on puisse finalement décider sur la manière de gérer nos entreprises. Il est tout à fait normal que tous ces agents des différentes entreprises prennent la rue. Et nous sommes victimes de cette mégestion. Et comme un gouvernement qui doit s'installer a une vocation parentale, nous pensons qu'il est de bon aloi que toutes ces entreprises puissent être reformées, refondues même,
Et j'aimerais encore parler davantage pour dire que ce sont des entreprises qu'il faut retourner. Quand je dis retourner, c'est-à-dire qu'il faut revoir la manière de porter cette entreprise au triomphe. Parce que nous avons comme l'impression qu'on envoie des mandataires seulement pour ce qu'on appelle diriger. Mais pourtant, les entreprises doivent être gérées. Et la notion de la gestion n'a rien à voir avec le dirigisme. Ce qui fait que je dis que ce sont des entreprises à retourner, c'est-à-dire à approfondir encore ce que nous attendons de ces entreprises. Ce sont des appâts importants du développement de notre pays. Donc moi, je pense que le cri est lancé et il faut que le gouvernement qui va venir et qui va s'installer puisse le prendre à bras le corps et reviser, je dis bien reviser même les thématiques de toutes ces entreprises et changer même le modus vivendi, le modus operandi de toutes ces entreprises. Sinon, alors, le pays ira de chaos à chaos et nous avons hérité, nous tous, des entreprises funestes. Je dis bien funestes. Pourquoi ? Parce que ce sont de cadavres ambulants, ce sont des géants pieds d'argile. Et il suffit seulement que nous ayons un coup pour que toutes ces entreprises tombent pratiquement en faillite, comme toutes les autres entreprises. Je ne citerai pas Onatra. Nous avons eu des gens qui ont travaillé à l'Onatra. La Miba, la Gécamine. La Miba, la Gécamine. Mais qu'est-ce que justifie finalement la ténacité de tout ce régime regard du développement, comme l'a dit Nseka. On parle démocratie, mais on oublie le développement. Donc moi, je crois que le temps est arrivé pour que les Congolais se ressaisissent de telle sorte qu'ils prennent à bras les corps et qu'ils prennent avec considération toutes les revendications que nous voyons éparpillées dans la rue et de voir des solutions idoines. Sinon, alors, le pays va mourir. Mais finalement, Claude, le problème, c'est quoi ? Vous relevez le problème de gestion, mais est-ce que ce n'est pas le problème aussi de tous ceux qui tirent un peu les tireurs, les ficelles, comme on dit ? Parce qu'il s'est fait que dans ces entreprises, le directeur général est là, il gère, bien sûr, il y a des recettes également, mais finalement, ce sont des recettes qui ne sont pas canalisées en termes de prendre en charge les salaires des agents, le fonctionnement des entreprises. Mais ça peut se faire que le ministre de tutelle est là, où chacun essaie un peu, chaque mois, le DG envoie un paquet à Serge, envoie un paquet à Sylvain, un autre paquet à Claude Moulichaud. Et ce sont ces gens-là qui sont les parrains. Oui, mon cher ami, les entreprises publiques du portefeuille... C'est pratiquement dans toutes les entreprises publiques. Oui, viennent de loin, de très loin même. Vous savez qu'on a connu la gestion de la Deuxième République, parce qu'il fallait être un militant très fort du MPR Parti État pour occuper un poste dans une entreprise. Et là, on gérait les entreprises conformément à cette réalité-là du MPR Parti État. Pendant la démocratie mobutienne 90-97, on a vu comment ces entreprises ont été gérées. Et lorsque surtout la guerre a commencé en 1996, la guerre de l'AFDEL, et ces entreprises ont participé à l'effort de guerre. Et on a connu des problèmes. Je me souviens à l'époque, Mbikaï, qui est actuellement président et qui est actuellement ministre de l'enseignement supérieur, était syndicaliste, Solidarité Sénégon, à l'ONATRA. Et il y a eu des grèves à l'ONATRA à l'époque. Mobutu a convoqué les syndicalistes à Gbado parce qu'on a voulu privatiser à l'époque avec le groupe Bolloré. Mobutu est parti, Afdel est arrivé. Une année après, il y a une autre guerre qui a commencé. Non, c'était le 2 août. Oui, une année après, 2 août 1998, une autre guerre a commencé. Ces mêmes entreprises ont participé à l'effort de guerre. Nous, on est journalistes. On couvrait ces activités, là, de ces entreprises, de ces PDG, de ces ministères, et surtout ministères du portefeuille. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2006, il y a eu élection, et on a commencé ce qu'on appelle la transformation de cette entreprise. Bon, moi, j'étais parmi les gens qui ont critiqué cette transformation de l'entreprise. Parce que ces entreprises sont des canards boiteux. Nous en avons 54, catégorie par catégorie. Il y a des catégories A, B, C. Et les entreprises de première catégorie, c'est-à-dire A, il y a la SNEL, l'ONATRA, l'Argie des eaux, ainsi de suite. Bon, ces entreprises ont participé aux efforts de guerre. Et vous dites que non, on va ouvrir le capital, il y a des investisseurs qui vont arriver. Et maintenant, et c'est Mme Abunda qui nous a tenu des discours ici pour dire que non, alors, nous n'en avons pas d'eau. Il faudrait qu'on puisse ouvrir le capital, comme ça les investisseurs viendront nous donner de l'eau. Effectivement, on aura de l'eau. On n'a pas d'électricité. Mais aujourd'hui, avec cette transformation, ça fait combien d'années depuis qu'on a transformé les entreprises ? C'est les noms, ce sont les noms qui ont changé. Mais les entreprises sont gérées de cette façon-là. Moi, je pense qu'il y a un problème d'hommes. Et j'avais même suggéré une thérapeutique ici, sur cette émission kiosque à l'époque. Je me dis, c'est un problème de gestionnaire, de problème d'homme. Un gestionnaire, un bon gestionnaire manager qui accepte de prendre une entreprise comme la SNCZ ou l'ONATRA aujourd'hui, qui est en faillite avec 14 millions
et 14 000 travailleurs. Vous avez 12 mois d'arrière de salaire. À l'intérieur et à Kinshasa, c'est 8 mois. Alors, on veut vous nommer DG de cette entreprise. Vous devez assumer le passif et l'actif. C'est-à-dire que, accepteriez-vous de prendre cette entreprise dans l'état où elle se trouve? Oui. Maintenant, il faut signer un contrat de performance. Et on vous donne une échéance. Dans 6 mois, vous avez trouvé le chiffre d'affaires à tel niveau. Vous allez remonter dans 6 mois à quel niveau? C'est ça le management, c'est ça la gestion. Mais on a eu le bon gestion. Aujourd'hui, aussi, on a donné l'ONATRA, par exemple, parce qu'il y a la grève à l'ONATRA hier. Oui. Les gens n'ont pas travaillé. Jusqu'aujourd'hui, ce matin aussi, il n'y a pas de travail à l'ONATRA. La Poste ici aussi. La Poste, la Sonance, Kona Hydro, Transco. C'est presque toutes les entreprises qui sont mal gérées. Moi, je pense mais il y a aussi des bons gestionnaires. Par exemple, ici, on a eu un bon gestionnaire à la Poste. Mais le problème, je disais, par rapport à ceux qui tirent les ficelles, les non, différents... Le bon gestionnaire, ben, oui. Ils sont 4 mois d'arriéré. Pourquoi 4 mois? Si vous êtes bon gestionnaire. Donc, nous retombons toujours sur les mêmes situations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un professeur d'université, un grand économiste, Moukoko Samba, pour ne pas le citer, à la tête de l'ONATRA. Quel est le résultat depuis qu'il est là? Il a même pris 30 millions de dollars empruntés pour récapitaliser le fonctionnement de l'entreprise. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? 12 mois d'arrière de salaire. Allons à la Matadi, ça ne tourne pas. Il y a grève à la Matadi. Il y a grève aussi à Matadi. Moi, je pense que c'est ça la solution. Claude Moluche, au moins, si il faut qu'on nomme aujourd'hui DG d'une entreprise, je vais signer un contrat de performance avec le chef de l'État ou le premier ministre qui sera nommé. J'ai dit, moi, je prends cette entreprise dans l'État où se trouve. Et dans 6 mois ou dans 6 années, voilà là où je vais amener cette entreprise. Et j'accepte. Il ne faut pas qu'on nomme des gens pour le plaisir de parce qu'il est tel parti pour tel parti. Quelle solution ils ont proposé? Justement, c'est ça. Ils proposent cette thématique, certes, mais les mots sont profonds par rapport à ces entreprises publiques. Finalement, ce sont des canards batteux, comme on voit. Hier, ces entreprises ont participé à l'effort de guerre, mais aujourd'hui, ces entreprises participent à l'effort même des campagnes. La République démocratique rapidement a repris la coopération avec les institutions de Bretton Woods en 2001, dans Banque mondiale et Fonds monétaire international. Et nous étions en programme. On a eu des DSRP, des documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté, ce qui nous a conduit avec une certaine discipline, difficilement, à la réduction de la dette de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a des efforts, il y a des plans qui ont été mis sur pied pour redresser les entreprises publiques de l'État à travers le COPIREP. Aujourd'hui, je demande à cette structure de nous faire le bilan. Parce que moi, j'ai toujours demandé une émission avec COPIREP, qui m'excuse, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. C'est-à-dire que ça m'a raté. On devait redresser Régie des eaux SNEL. Il y a un opérateur à la SNEL pour essayer de redresser, un opérateur sénégalais, et à la Régie des eaux. Et ben alors, à la SNEL, ce sont des Canadiens, à la Régie des eaux, ce sont des Sénégalais. Mais qu'on nous parle des résultats. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Il y a des projets qui devaient permettre à ces entreprises d'atteindre un certain équilibre. Le problème n'est pas un problème d'individu. Comme l'a dit Moluche tout à l'heure, je crois qu'il est systémique. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui ces entreprises transformer en société, dans la plupart des cas commerciales. Mais ils ont quelle marge de manœuvre? Le DG qui est manager peut aller jusqu'où il lui est permis d'aller pour prendre des risques et assumer le résultat positif ou négatif. À un certain moment, c'est comme si on était toujours dans le système de tutelle, quoi. C'est-à-dire le ministre des tutelles. Ça n'existe plus parce que ce sont des directeurs généraux qui ont rendu des managers qui sont appelés, comme l'a dit Moluche, d'apporter leur génie pour essayer de relever un peu ces canards boiteux. Parce qu'on ne peut pas être la DG qu'on continue à se plaindre. Si vous avez accepté, c'est-à-dire que vous aviez des plans, vous pouvez aller vers des banques, vers des partenaires, solliciter. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, on préfère prendre les transporteurs privés pour ramener les choses des matières, alors que le chemin de fer est là, en train d'écrouler. Et ceux qui ont les leaders de ces pays ont dit, sans chemin de fer, ces pays n'existeraient pas. Alors, on ne comprend pas qu'on a besoin des chemins de fer. Et à Kinshasa, et à l'Est, et au Sud, vers les Katanga, pour impulser les développements à un certain moment. Donc, nous sommes obligés d'aller vers les systèmes, de regarder les systèmes, de changer les systèmes. Ceux qui sont à la tête, ceux qui chuchotent à l'oreille de chef,
doivent changer aussi leur fusil d'épaule. Et surtout, moi je cite sur le tirer les ficelles, hein. Il y a un ministre qui appelle le DG, envoie-moi 10 000 dollars ou 20 000 dollars pour que j'organise ma fête d'anniversaire de ma maison, de ma fille. Ça arrive des fois, ça met aussi les directeurs généraux dans des difficultés face à leurs agents et finalement on ne comprend plus. C'est un système, comme on dit, il faut que ça change, pas seulement par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à toute la gestion et par rapport à l'entreprise publique. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Serge Seka, merci à Claude Mulichaud et aussi à Sylvain Malanda d'avoir participé à ces débats. Merci à vous et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Aleka Bongo. Aleka Bongo qui était lui et Aleka Bongo. Dieu merci Kifou. Eux, ils étaient à l'exploitation. Coordination de Dudu Moutiri. Et la réalisation aujourd'hui a été assurée par Moron Jambé. Dadi Koussaka, lui, était derrière les caméras. Merci et à très bientôt. Au revoir.